petit détour sur Talos Principle 2 dans une phase full Destiny. Puisque le DLC est sorti. Je savais qu'il y avait un DLC, je savais pas qu'il sortait là, hein, je vous avouerai. Je l'ai appris il y a 6 heures. En plein live. Donc j'ai 9 heures de Destiny dans les pattes, presque 10 heures même, ouais. Donc on va voir en termes de performance ce que ça donne. Excellent jeu, Talos Principle 2, je ne peux que vous recommander. Commencez par le 1 d'ailleurs. Excellent jeu de base, c'est Talos Principle 1. Jeu d'énigmes, hein, bien entendu, et de réflexions philosophiques sur l'humain, l'IA, les robots. Très d'actualité au final. Je vois trop comment ça va se passer. Ah ok, voilà, ok. Redoubler d'ingéniosité pour franchir le réseau de laser, explorer les grandes questions philosophiques sur l'amour, la mort et la résurrection avec Hypatie et Sarah Bay. Les limites des mécanismes classiques de laser du jeu ont été repoussées pour tester votre capacité à réfléchir différemment. Île bénie. Ça a l'air trop joli, Île bénie. Participez à une aventure jalonnée d'énigmes sur une île des Caraïbes à couper le souffle. Résolvez une nouvelle série d'énigmes de difficulté moyenne jusqu'à l'exaèdre. Dans l'abîme. Revivez l'un des moments les plus dramatiques de Talos Principle 2 tout en vous attelant à résoudre des énigmes extrêmement difficiles. C'est dans l'ordre, non? De difficulté. Facile, moyen, difficile, je pense. Hein. Partons sur l'ascension d'Orphée. Je vais dormir. L'amour ne cherche pas son propre plaisir, mais peut abandonner à autrui son bien-être. D'accord. Ouh. Ce jeu est trop beau. J'ai pas reprécisé, mais je l'avais fini avec toutes les fins possibles, hein. Talos, vous avez le... Le let's play sur ma chaîne, le 1 aussi d'ailleurs, je le mettrai en description pour ceux qui regardent ça en rediff. Les playlists du 1 et du 2. All right, I think that's it. The new body's ready for the transfer. How's the reassembly algorithm? Done. Well then, somebody just needs to go in there and disentangle the data. Ah, and here comes our expert. Thank you for agreeing to this one, Kay. Perhaps together we can right an old wrong. When I was lost in my own grief, I spent a lot of time thinking about Hypatia and Sarabai. How they found each other, how they lost each other, and how beautiful it would be if we could reunite them. For the longest time, it was only a daydream, but not anymore. In the myth of Orpheus, the ancient bard descends into the underworld to bring back his beloved wife, who died in a tragic accident. With the power of his music, he convinces Hades and Persephone to free her. But he is told that she must walk behind him, and he must not look back at her until they have left the underworld. And so, of course, in every version of the myth, he looks back. Because he doesn't trust the gods, or because he is an imperfect man, or because he simply forgets. And death is triumphant once again. We've accepted that triumph for a long time, because we had to, because what else could we do? But the world changes, and we are not the frightened, powerless creatures we once were. Perhaps it's time to say enough, and let Orpheus complete his ascent. C'est beau. C'est beau. Le jeu est vraiment magnifique. C'est ouf. Est-ce que j'avais 5 activés? Par contre, j'ai un doute. Vu que j'ai réinstallé le jeu. Tac. Je suis sur le PC, hein, mais... Ouais, il y est. Ok. Attends, je vérifie juste en dernier réglage. Oui. You will have to collect all of Sarabai's data fragments so that we can reconstruct her personality. I'll monitor you from here, just like last time. Good luck, kiddo. Alors, mais
je ne sais plus comment étaient les ordi déjà dans le... Ils ressemblent plus à ceux du 1, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas pourquoi j'écris ça, blablabla. Alors attendez. Il est fort probable que tu ne puisses même pas lire ce message avec le peu de conscience et de batterie qu'il te reste. On dit que tu récupéreras avec toutes les sauvegardes ont été détruites. J'aurais voulu que l'on puisse se sauvegarder à la Nouvelle Jérusalem avant de partir. Mais l'espace était limité, nous aurons dû attendre trop longtemps. Même si, bien sûr, ce n'est rien comparé aux années vides qui m'attendent. Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que tu signifies pour moi. J'ai essayé de résumer, de dire quelque chose d'élégant, de beau, de parfait, mais c'est impossible. Peut-être que ça ne se dit pas, que ça n'existe qu'en jours et années vécues ensemble. Une séquence de moments liés comme des rayons de lumière qui percent la noirceur du ciel. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas un au revoir. C'est peut-être la fin de toi, de nous, de qui j'étais, mais je ne te dirai pas au revoir. Je t'aimerai toujours, Hypatie. Oh là là! 20 du... Mais qu'est-ce que le jeu est beau. Oh. J'en peux plus, hein. J'avais oublié à quel point il était beau. Je savais qu'il était très beau. Et par contre, j'ai l'impression que j'ai un petit problème de taux de rafraîchissement. Peut-être que je me trompe. C'est fluide pour vous, là? Ouais. Comme si la synchro verticale était pas active. Oui? Ok, bon ça va alors. Il n'y a pas plus grande joie que de découvrir quelque chose que l'on n'aurait jamais imaginé. C'est à ce moment-là qu'on comprend que le monde est encore mieux qu'il n'y paraît. Bon, si c'est fluide, ça va alors. Alors, inverseur. Qui aurait inversé la couleur d'un truc comme ça. Ok. Alors, juste s'il y a d'autres trucs. Oh, j'imagine qu'il va falloir chercher... des dingues. Oh là là. Oh là là. Bon, en tout cas... Voilà. Ensuite. Voilà. Alors ça, jusque là, c'est ok, but. Ça va se réactiver de là. J'ai pas le temps. Est-ce que lui, on peut l'emmener plus... Non. Hein. On est d'accord. Pardon. Attendez, je tourne. Écoutez. Ah merde, j'ai voulu courir, ça a pas du tout couru. Terrible. Non, je sais ce qu'on va faire. Yeah! Yeah! Attends. Je pensais que ça allait l'interrompre, mais pas du tout. Ma sensi aussi est trop élevée là. C'est l'enfer. Ok, c'est bon. The guide. On est un peu en dessous de 30. C'est pas 60 FPS. Là, là, c'est pas 60 FPS pour toi? Ah oui, non, vous avez un problème de rafraîchissement alors. Not that I was lonely, but that I was separate. Singular. There was the world, and there was myself. A contained entity. And this sense of separation, of a distinct self, was... delightful. Individuality itself was a source of constant... joy and wonder. What could be more incredible than to be able to say, I am? We have the first fragment. Everything's looking good on our end. Vous avez pas un truc là c'est plus de 60 hein. What the fuck? Attendez, pause. Hop là, c'est bon. On est beaucoup plus beau. Je crois. J'ai hésité à relancer, mais bon, ça aurait été dommage de pas garder le côté instantané. Traversée de la rivière. Enfin, j'ai l'impression que ma sensi est élevée. Ah, je vous embête, hein. J'ai l'impression que ma sensi est très élevée. Ah, oh, mais c'est long. Ah non, c'est à souris. Ok, je me disais aussi. Ouais, voilà, lent plus plus. Bah super, on se fait juger en plus. Mais c'est mieux.
Alors, connecteur, pour faire quoi? Ah, ça fait grave juger, t'as vu? Allez, moi je connecte tout, c'est la fête. Attendez, on va tenter un truc là. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Déjà lui ça le coupe, c'est bien. Lui si je fais ça il se passe quoi? Je suis lent plus, c'est ça. Quel enfer. Bon en tout cas ça coupe bien, donc ça c'est top. Donc faisons ça. Oh je connecte à tout, c'est la fête, c'est la méga teuf. On est parti. Aïe. Mais quelle violence. Maintenir les connexions. Ça m'a fait rire que ça fonctionne quand je regarde pas, tu sais. Hop, ensuite. Je défais lui. Ça c'est bon. Oh là, oh là, tout ça, je défais lui. C'est une technique, hein, faites pas gaffe, ça va bien se passer. Dommage, ça marchait bien au début, mon idée, là. C'est dommage. On va refaire. Mais l'idée me semble pas dégueu. Néanmoins. Parce que si je prends ça et que je l'amène là, déjà qu'est-ce qui se passe en faisant ça? Ok, ça l'interrompt pas, mais si je fais ça et que je vise par exemple là et que derrière je fais ça, ça fait ça et ensuite. Non mais. Bon, ensuite ça bloque quoi, en tout cas. Et c'est un peu ce qu'on cherche comme effet. Parce que si on fait ça, on va pouvoir le récupérer de l'autre côté. Donc je trouve ça pas dégueu. Du tout. Ok. Donc ensuite, on le met aussi ici. Ça marche, Lynn. Ok, il reste plus que le dernier, là. Donc on est pas mal. Et pour le dernier, je vais viser le bleu, en fait. Tout simplement. Et si je fais ça, normalement, on sera bon. En enlevant lui. Ok, tout est enlevé. Oh là là, on est trop fort. Merveilleux. Hop. Et hop. Quel talent. As I grew, I realized that the more I developed this sense of self, the more enjoyable it became simply to exist. It wasn't selflessness that improved existence, but refinement of the self. When the ancients said that ego is something to set aside, they got it all wrong. Ego is something to nourish and shape, a work of art. The reconstruction's working. Keep going, 1K. If you get stuck, I've inserted some code that might help you bypass a few puzzles. It's not the most elegant work I've ever done, but it'll do the job. Qu'est-ce qui est marqué? Ah, erreur inconnue. Je vais néanmoins le scanner. Par principe. Le perso va si vite.
fait le plaisir d'être de retour sur Talos Principle, en vrai. Alors par contre, ils m'ont dit qu'il y avait 1, 2, 3, 4 par là. Moi, j'ai trouvé que 1, 2, l'énigme, c'est de trouver où est l'énigme. Ah, par là. Ok. Pardon. J'ai jugé à la hâte. Mais mon perso va très vite. Hein. Alors... C'est quand ça s'appelle? J'ai peur. Hein. J'ai peur. Tac. Ça absorbe un truc. L'objectif, c'est ici. Il nous faut du rouge. Pour avoir du rouge, il est là-bas. Le bleu nous embête. On peut facilement l'absorber. Hein. Je pense que c'est facile, mais peut-être je me trompe. Ah, parce qu'il est comme ça, lui. Ah, oh, marrant. Oh, d'accord. Ce qu'il veut dire. Là. Oh, ça, c'est rigolo. Attends, il est mal mis. Oh, ça, c'est marrant. Hop. Non, il absorbe du rouge. Pourquoi il absorbe pas du rouge? Ah, ça passe pas non plus ici. Ok, ça passe pas les gris comme ça, c'est plus dans ce sens-là que c'est problématique. À quoi sert celui-là d'ailleurs? Attendez, je... Ah bah oui! Très bien. Ok. Donc en ouvrant ça, bam, ok. Ah, c'est pour ça que ça passait pas, d'accord. Normalement, si j'ouvre, ce sera gagné. Je pense. Oui, mon... Bonjour. Mais il faut ouvrir sans que... N'est-ce pas? Ok. Et donc là, forcément, si je me mets là, lui, il va charger. C'est bien gentil, mais... Mais ça va pas quand même charger l'autre. On se doute. Ok, très bien. Jusqu'ici tout va bien. Ça on a pas. Hein? C'est vraiment juste un laser comme ça. Ok. Lui il sort nulle part, on est d'accord. Ok. On va faire comme ça. Voilà. Ah. Et si on fait ça, ça marche. OMG! C'est encore le même principe. La dingue. OMG. Les coupures de laser, là. Oh là là. C'est bon. My insights into the value of the self were genuine, I think. But of course, I was completely inexperienced. In fact, in many ways, I was like a human child. So I began to resent everything that intruded on that sense of self. My social obligations to the others, the leadership of Athena and Cornelius, even the obvious limitations imposed on us by our situation. Why did I have to exist in this particular historical moment, saddled with the task of reconstructing civilization? On a beaucoup de texte à lire. Oh là, oh là! Non, ça, j'ai trouvé ça allait. C'était parti pour dérouler, non? Vous aviez pas cette impression? Nous devons nous ancrer... Alors, attendez. Une philosophie éthique de la vie, Félix Adler. Nous devons nous ancrer spirituellement sur ceux que nous aimons dans les derniers moments. Ce sens de l'interconnexion ressort intensément par contraste, juste au moment où notre lien mortel avec eux est sur le point de se dissoudre. Cet entremêlement de notre vie avec la leur, cette énergie en eux,
n'est qu'une part de notre vie dans la multiplicité de la vie spirituelle. Cette pensée, appréhendée non en tant que connaissance mais en tant qu'expérience immédiate, fait naître la paix qui surpasse tout entendement. Et c'est dans cette paix que nous pouvons quitter sans risque le royaume du temps et de l'espace. Bon app, Mestra, je serai encore là quand tu reviendras, je pense, si tu reviens. Bien entendu. Ralph Waldo Emerson. Ainsi donc, on nous entraîne à vivre un amour qui ne connaît ni le sexe, ni les personnes, ni la partialité, mais qui cherche la sagesse et la vertu partout. À cette fin de les accroître, nous sommes par nature des observateurs et par conséquent susceptibles d'apprendre. On va baisser la musique après. Voilà notre état permanent. Souvent, nous arrivons à sentir que nos affections ne sont que les teintes d'une nuit, quoique lentement et péniblement, les objets des affections changent comme les objets de la pensée. Il y a des moments où les affections gouvernent et absorbent l'homme et font dépendre son bonheur d'une ou de plusieurs personnes. Mais quand nous avons recouvré la santé, l'esprit laisse apercevoir de nouveau sa voûte infinie brillante de lumière immuable. Alors les chaleureux amours et les craintes qui s'étaient répandues sur nous comme des nuages perdent leur caractère terrestre et s'unissent à Dieu pour atteindre leur perfection. Eh bien... L'éternité révélée. Théo Erkenwald. Dans quel sens appartient... Alors c'est très mal écrit quand même la typo là. Hein. Ils veulent me tuer après 10 heures de live. Hein. Dans quel sens appartient-je, n'est-ce pas, à la chrétienté, si je ne me soucie guère du dogme, dans le sens où tout ce que je fais et je pense, ou dans tout ce que je fais et je pense, et pense, je suis la révélation de Jésus-Christ, bah rien que ça, qui est la plus grande de toutes les choses et l'amour. Qui est que la plus grande? Je lis plus couramment, ça va être compliqué hein, pour comprendre. L'amour est la nature de Dieu, et donc également la nature de ce qui a été créé à son image. Voilà ce que j'ai appris à travers la révélation qu'est la vie quotidienne, à travers le labeur, la misère, la lutte, et ce pouvoir infini qui apporte soulagement et joie. Ainsi, je rejette ceux qui croient que l'amour ordinaire des mortels est limité et prend fin avec la mort. Au contraire, c'est grâce à l'amour que nous percevons l'immortalité de l'âme, qui révèle que l'éternité est concevable pour l'esprit humain lorsqu'il est empli d'amour. C'est parce que nous savons que nous pouvons aimer pour toujours que nous savons que nous sommes les enfants de Dieu. Il est positif, lui. Ah, on sait pas, nom d'utilisateur corrompu, ça s'appelle souffrance, le fichier. Ça. Sweet suffering. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je n'aurais jamais cru que ça finirait ainsi. Je ne pensais pas mourir en isolation dans mon appartement en me demandant si les choses auraient été différentes si on avait obtenu cette satanée bourse. Mais surtout, je me demande pourquoi on n'est pas ensemble. Je ne comprends toujours pas. Je ne sais pas pourquoi tu as tant de souffrance en toi. Je ne comprends pas pourquoi tu l'as laissé te corrompre. Tout ce qu'on avait. Il n'y avait pas de te. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas su voir mon amour pour toi. Pourquoi tu as déformé tout ce que j'ai dit. J'ai été en colère pendant longtemps, mais maintenant je regrette seulement de ne pas avoir trouvé un moyen de faire disparaître cette souffrance. J'aurais donné n'importe quoi pour ça. J'aimerais tellement que tu sois là. Si jamais vous aviez le moral avant ce live, hein, bah peut-être ça va changer. C'est terrible. 25, ce sera bien, vas-y. Alors, quatrième pièce. Et pour ça, on a fait 3. Immensité. C'est un mauvais signe, ça. Donc, on doit d'abord prendre du rouge pour débloquer lui. C'est notre première étape. Jusqu'ici, tout va bien. Il y a du rouge ici, il y a du rouge ici. On devrait s'en sortir. Première chose de faite. De là. Est-ce que... Ouais. Hop. Oh. Un petit peu. Hein? Mais finalement, c'était mieux là. D'accord. Eh bien, soit. Mais à quoi sert la plateforme? Vérifions quand même. Ah bah. Ah bah. Eh. Audi. C'est pas mal comme ça. Merveilleux. Ok. Donc là, c'est le finish. C'est ici. Et ici. On devrait s'en sortir, hein. J'ai juste à enlever lui. Ah, oh, je me suis enfermée. Bien, ça l'histoire. Mais si je fais ça, je suis plus enfermée. Tu arrêtes, Denis. Tout de suite. Eh oui. Eh oui, eh oui. Bon, au moins là c'est toujours comme ça donc c'est ok. Ah mais il suffit que je le mette à l'intérieur. Non?
Mais si je fais ça, ce sera plus ouvert. Donc pas tant que ça. Là, c'est fermé, du coup, logique, cohérent. Mais là, je rentre, j'enlève lui et c'est bon. Voilà, tout simplement. Voilà, comme ça, l'autre dehors, il nous embête plus et on est bon. Oh là là, eh, pas si mal, hein. On n'a pas perdu la main, hein. Moi, je trouve. With that focus on the self, also came an enormous and increasingly overwhelming fear of death. The pleasure of existence seemed almost erased by the possibility of its ending. If it was possible not to be, if the self had an ending, even in the distant future, then how could anything have meaning? I spent far too much time imagining that last moment, the moment just before I stopped existing. How could I possibly face that? Mais c'est vraiment déprimant, hein. Faut arrêter de parler de la mort et tout. Terrible. Pour ceux qui étaient là sur Destiny. Rond sur rond, carré sur carré. Triangle sur triangle. Double buff. Rose split. Point barre. Pas compliqué. C'est pas compliqué. Je fais juste un petit tour au cas où il y a des trucs à récupérer. Trois roulades. Non, il n'y a pas de roulades. C'est la fameuse étape qui pose beaucoup de problèmes. Sur le raid. C'est pour ça que je dis ça. On va check l'ordi ici, puis on retourne. Allez. Sans qu'il y aura encore, voilà, forcément. Le sublime au quotidien, Markham. L'amour doit être important pour le philosophe car il est en soi la preuve incontestable de la présence du sublime dans nos vies, que ce soit un amour qui n'a pas marché, qui n'est pas réciproque ou totalement imaginaire. L'amour est semblable à un immense monolithe qui nous surplombe, nous rend humbles, nous inspire et nous effraie. Ceux qui nient sa présence passent pour des imbéciles, ils savent très bien qu'il est là, ils ont peur, c'est tout. Mais tout autant, le philosophe doit envisager que l'amour n'a eu aucune importance dans les grands événements historiques. Le Nazaréen a dit à ses disciples d'aimer ses ennemis, mais ça n'a pas été le cas, et il a écrit des milliers de livres d'excuses pour cet échec. Ici est révélé le but de la lutte humaine. Bon app, du coup, Verzel. Confession. Pénélope Héliopoulou. Pour moi, l'idée que mon âme, mon essence, tombe amoureuse d'un autre être et puisse garder cet amour intact pour l'éternité me paraît absolument impossible. Mon expérience de l'amour n'est que catastrophe, embarras et déception. Et c'est vraiment pour ça que je refuse de laisser tomber, que je choisis de croire, malgré ce qui a pu m'arriver, que je trouverai mon âme sœur et que notre amour durera toujours. Vous pouvez vous moquer de cette croyance absurde et contradictoire, mais elle ne faiblira pas. La foi n'est pas une histoire de passé, de miracles constatés, de saints aperçus, mais un futur à écrire. Elle est belle cette phrase, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Hop, je sais pas si j'ai eu le screen. Hop. Alors, Pickering Manuscript, William Blake. Chercher l'amour dans la pitié pour le malheur, dans le tendre soulagement des maux d'autrui, dans la nuit ténébreuse et la neige d'hiver. Chercher l'amour chez ceux qui sont nus et au nid. Ok. Ok, on fait comme ça. Vous avez vu la zone là-haut? Waouh. En plus, on dirait que ça fait un visage. Alors, 5. 5. Chêne. Oh. Oh. Waouh. On va fabriquer de la redstone là. Tac, 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 paf, paf. Il faut du rouge là-haut, ok? Mais attends, mais qu'est-ce qui m'empêche du coup de faire juste... Clique ici. Oh, on peut pas cliquer ici. Pourquoi ça s'arrête à un moment? Parce que c'est bleu et que le bleu empêche. Ok. En fait, c'est juste qu'il faut faire ça.
à un cran trop tôt, mais c'est ça qu'il faut faire. Oh là, oh là. Pas ça, pas ça. Non, non, calme-toi. Ok, encore un cran de plus. Ah non, si je fais un cran de plus, c'est foireux. Okay. Mais si je le fais là, juste pour voir. Ok, c'est le même délire. Et je l'ai bien fait ici, ici. J'ai une petite idée. Ça se joue à 1. Ok, dans l'autre sens. Peut-être. Ah, ça marche pas dans l'autre sens. De là à là, ça marche, mais pas dans l'autre sens. Je peux pas sélectionner lui à droite là. Ah oui, parce qu'en fait ils sont derrière des vitres. Ok, j'ai rien dit. Ok, et donc si je le mets là et là. Ouais, ça fait un cran de moins. En fait, il faudrait juste qu'il soit en intermédiaire au milieu. Ce qui n'est pas possible. Marche pas comme ça. Dommage. Ça aurait été pas mal. Mais c'est juste que je l'ai pas fait assez loin. Presque. Presque parce qu'il y a lui là. Il y a forcément un au centre qui a les deux en même temps et qui est problématique. Ça je peux pas le re... Ok. Pour essayer, hein. Je fais ça, ça et ça. Ah, ça le recoupe. Quelque part, il faudrait juste le réussir à le laisser avancer. Donc imaginons que je sois là. Dans deux bases, regardons bien. De base, il va jusque là, ok. Donc on peut faire ça. Peut-être qu'il m'en faudrait un deuxième. Parce que là, ça va faire trois rouges encore. Si je fais ça. Ah, il y a un truc à jouer là. Je pense qu'il y a un truc à jouer. Attendez, je teste juste un truc. Pour voir.
ça fait. Que ça fait que du rouge. Ok, ça charge tout. Ok, ok. Donc ça, ok. Il y a rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Un truc pour passer, mais ça, on s'en fout. Là, on peut plus le réactiver. Donc c'est vraiment que ça. Et on peut toucher que eux. Sûr à 100%. On arrive à interrompre un truc, en fait. Long pour le changer. C'est impossible que ce soit comme ça. Attends, si on met là, ça fait bleu aussi l'autre d'à côté, non? Ah, ça transfère hyper loin, en fait. C'est marrant que ça s'arrête à celui juste là, quand même. Il y aurait quand même un coup à jouer de faire ça. Et pourquoi le rouge prend le dessus comme ça? C'est bizarre aussi. Parce qu'il y a déjà du rouge à la base. Ok. C'est ça le délire qui se passe. Donc il prend le dessus. Que je ne saisis pas. Ok, c'est qu'il fallait le décaler plus loin. Il fallait juste le décaler plus loin. Ah! Je l'avais fait jusqu'à 3 crans, mais pas jusqu'à 4. Je suis débile. Enfin bon, j'avais bon au départ, mais j'ai pas assez persisté. It's embarrassing how solipsistic I became. I really thought that I could construct my identity without any reference to the outside world. Like I could just will myself into existence. But it just didn't work. And it made me miserable. Everything felt hollow and meaningless, overshadowed by the idea of death. And there was something I wasn't seeing. Something I needed, but I couldn't figure out what it was. C'est pareil, c'est une espèce d'équilibre. Oh là là. C'est-à-dire que le rouge et le bleu n'ont pas la même... Attends. N'ont pas la même portée? Si, je pense. Je pense qu'ils ont quand même la même portée. Ben non. On dirait qu'il fait un moins le bleu. Bizarre.
Et cette vitre-là, elle marche pas ? Du coup, elle serait l'intérêt... Ah, ok. J'aimerais bien que le rouge va plus loin que le bleu. Je pense que c'est ça qu'ils essaient de nous montrer. Je suis pas sûre, hein, mais... Voilà, ok. Ok, non, il va quand même un cran plus loin. Donc 1, 2, 1, 2, ça on est good, ok. C'est grand, c'est ça. Et je peux pas viser là, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. Allez, stop. Là, de toute façon, eux, j'ai accès qu'à ça. J'ai aucune autre solution. Hormis... Ajouter un relais. Oh ! Oh ! Je crois que c'est ça, en fait. Si j'ajoute un relais, il ira moins loin. Celui-ci là, de un cran. Non. Lui. Ah, mais moins loin, mais trop moins loin. C'est dans votre sens qu'il faut le faire, mais c'est ça. C'est ça, faut ajouter un relais en fait. En fait, le premier, on le met tel quel. Et le deuxième, on le met avec un relais. C'est ça qu'il faut voir. Je l'ai fait dans le mauvais sens, mais c'est ça. Pour qu'il aille moins loin, en fait. C'est le truc qu'on s'est rendu compte dans le 5, en fait. Justement. Et boum! Wouah! Trop bien! Parce qu'en fait, d'une source, on fait 1, 2, 3, 4. Et à partir de 4, le signal s'affaiblit. 1, 2, 3, 4. Et c'est ce qui se passait dans l'autre pièce, d'où le quatrième truc. Trop bien. Everything changed when we started spending more time with each other. Do you remember that night when we found the old library in the Dead City? It was just after the stampede and we were all a bit shaken up. Byron read to us from one of the books and later you and I started arguing about one of the poems. And your perspective was so different and interesting and I just kept wanting to hear more.
Je vais laisser autre chose. Du coup, 6 c'est bon. 7. On a déjà lu. Oh. Oh, c'est rose comme ça ici. Ok, c'est la zone 8. Effet domino. Oula. Oula, oula. Ok, ok. Objectif ici. Tac, tac. Objectif qu'on ne voit que si on fait ça. Ok. Ok. Challenge accepté. Ok. Alors. Donc ça marche pas, on peut rien faire ici. Comment on est censé poser les trucs? Il faut qu'il soit entre deux trucs. D'où le signal ici. Je pense que c'est ça. Ok. Donc là, ça va faire pour 4. Ensuite, bleu. Du coup, à partir de, du milieu de ça. Hop. On ajustera après, mais globalement, on est bon, ok. Ensuite, 4. Là, ça me paraît tendu ce qu'on va faire. On va le faire ici. Ok, et le dernier en bleu. J'ai peur que ça n'aille pas. Mais je le tente quand même. Ok. Donc finalement un cran plus proche. J'ai rien dit. On va savoir pourquoi. Ah et le rouge est trop puissant là. C'est pour ça. Donc on va redécaler le rouge ici. Ici. Ah, le bleu. Ok, je sais ce qu'on peut faire. Ok, ok. De là. Ah oui, mais non, parce que derrière. Je pensais le rechoper de l'autre côté, mais ça va pas aller. Bon, à un moment, faut fonctionner, Denis. Parce que je le mets avec lui, ok. Bon, on a l'idée, hein. Donc c'est déjà ça. Après... Il y a un rouge et un bleu qui sont pas bons, et je pense que ça, c'est une histoire de... Du coup, qu'il faudrait croiser les trucs. C'est-à-dire que ce bleu-là... Mais c'est impossible, parce qu'il faudrait qu'il réussisse à retaper un autre. Mais si je décale lui de 1, on est bon, non? Presque. Presque, presque. C'est pas ça que je voulais faire, bien sûr. Oh, il manque un bleu, là. Ah, il manque un bleu. Que c'est 6. C'est pas un pair. En n'étant pas un pair, on a un problème.
forcément un souci. À moins que le rouge, on les cale mieux. Ok, ça va. Un teint de mer, du coup, voilà, c'est ça. J'ai tout compris. Ok, et lui... Il faut qu'on arrive à le forcer, donc on le met là, carrément. Balek. Non, je voulais pas faire ça, mais ok, c'est bon. Et voilà. Ah, oh, bien, hein, on a bien compris, ça va. C'est ok. I never really understood the appeal of philosophers who tell us that everything is one. If everything is just a reflection of yourself, an endless hall of mirrors, there's nothing to connect with. And what I realized through our conversations is that everything beautiful happens in that space of connection between one person and another, and between people and the world. That gap between us is necessary, because without it, without separation, there can be no transcendence. La transcendance, Destiny. Je vais juste aller me chercher à voir les gens. J'arrive. Hop. Tac. Hop. C'est cool qu'on ait pas raté la sortie hein, du DLC. En plus, je peux pas... pas me faire spoil ni rien là, c'est parfait. C'est nickel. Alors, comment il s'appelait ? Concaténation. Ok. On va devoir associer des trucs. Alors, pif paf pouf pif. Ok. Mais peut-être que du coup il faut un intermédiaire comme ça. Faut pas faire de bêtises. S'embêter. Ouais, ça doit être la même. Hein. Enfin... Bon, là pour le coup, c'est rien de bien compliqué. Après, j'ai mis un intermédiaire que j'aurais pas dû mettre. Enfin, j'ai rien de bien compliqué, mais. En fait, c'est qu'il faut le faire dans ce sens. Je pense. Hein mmh. Du coup, là, si je mets pas d'intermédiaire, qu'est-ce que ça fait? Ok, c'est le bleu qui va trop loin, c'est le bleu qui nécessite un intermédiaire, c'est bien ça. Donc, en fait, on va faire ça, ça. 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 Et c'est ouvert. Once I understood that meaning comes from the interaction of the self with the world, I found it easier to be patient, to be kind. I reminded myself that other people are just like me, and nobody really knows exactly what they're doing. C'est pas faux, ça. And the more I allowed myself to open up, the more interesting and complex our interactions became, and the more meaningful. J'arrête, je vais glitcher. We have roughly 50% of Cerebi's personality matrix reconstructed. Who'd have thought that 1K would have made such a good necromancer? Ça se passe bien, c'est les œufs en ce moment. Je sais pas si t'es encore là. Comment vas-tu? Je suis très très occupée comme tu l'as vu, mais...
Oh là là. Je suis hype, hein. Je vais juste envoyer un message à quelqu'un. Et on sera bon, juste par rapport aux horaires. J'imagine quand c'est le temps. Hein? Hop. L'autre jour, je pensais à toi, Isaac, on parlait des endroits où vivre. Et la personne avec qui je parlait de la Suisse. En tant que francophone. Ça y est, je suis partie dans le désert. Attention. Oh. Non, pardon, pardon, je le ferai plus. Mais là, il y a une petite flamme, vous voyez, c'est bien fait. On est à côté de la capitale de l'Ordre, je reconnais. Mais il a pas récupéré. 12 centimes. Merci. Mais là-bas, là, ça. Ça va me frustrer si on peut pas y aller, hein, je vous le dis. Oh putain, on peut pas y aller. Putain. Oh l'arnaque. Oh, ça faisait une magnifique miniature, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai fait un écran noir. Non. Attends, ça veut dire que si je saute dans le vide là, il y a moyen que j'ai cette miniature. On y croit? Hop. Oh non, ça prend pas la photo. Oh, je suis déçue. C'est certain. Non, moi c'était. Moi en vrai. Plus le pays du Nord qui m'attire. Mais globalement, moi, faut que ça parle anglais. Parce que je préfère entendre de l'anglais. Donc c'est pas un argument, tu vois, que ça parle français. Et que les gens soient cool et bien éduqués. Et tout ira bien. Que ce soit, je sais pas, culturellement open, tu vois. Open-minded. Voilà. Alors, pardon, mais j'arrive, le truc, c'est déjà Tchernobyl, quoi. Calmons-nous. Ça fait quoi? Ça ouvre la porte. Ok. Il y a un petit cube au milieu. Ça. Ça ouvre la porte aussi. Mais il faudrait que lui soit pas connecté à ça. Et qu'est-ce qu'on a en manipulation possible? J'ai l'impression qu'on a peu de manipulation possible. Mais manipulation possible, c'est nous-mêmes. Notre corps. Ouais, c'est certain. Exact, c'est certain. Période de crise, hein. Période de crise égale... égale ça, hein. TNTC. C'est un peu ça. Mais bon, en tout cas, je suis pas fermée à l'idée de déménager plus tard. Mais attends, mais il est là. Je vais donner le moi. Enfin. Ah, il faut juste le cube du coup. Ok. Ok, et le cube doit tomber. D'accord. J'ai. Donc si je veux que le cube tombe. Là, ça devient bleu. Ok. C'est bon, c'est bleu.
Trop marrant. Non mais trop marrant. Là. Ça, faut pas que ça... Faut pas tout foirer, hein. Hop. Tac. Ok. Ensuite le rouge, du coup. Voilà, ok. Hop. Ensuite le bleu. Ok. Et c'est gagné. Il va très bien. C'est trop mignon, mon perso avec son petit cube dans les mains. J'ai gagné. Parfait. Histoire. It's funny though, when I think about it, that I still didn't know what to call what I was experiencing. I guess love seemed like a term that only applied to our ancestors, with their hormones and instincts and strange fleshy organs. Surely we were too different to experience that. And the really funny thing is that I was thinking exactly like an ancient human child, pretending I was above it all. Ah, bah ici, il manque quelque chose. Il manque l'amour. Alors, Non abyssolum, Cassius Green. Cicéron a fait remarquer à juste titre que nous ne sommes pas nés uniquement pour nous-mêmes. Aristote a quant à lui souligné que l'homme est un animal social. Dans son banquet, Platon dépeint des personnages loin de l'importance spirituelle et philosophique de l'amour, tandis que Socrate plaide pour la notion plus abstraite d'apprendre à aimer la forme de beauté elle-même. Ce qui me semble un peu onaniste, si je peux me permettre. Jésus place l'amour au-dessus de toute autre considération et nous demande même d'aimer nos ennemis. Mais si tout le monde s'accorde à dire que l'amour est si important que ça, pourquoi est-il si peu considéré par le système dans lequel nous vivons? Cette question peut sembler naïve, mais pensez au poids moral et intellectuel derrière cette idée que l'amour est essentiel. Pourquoi notre réalité est-elle autant en décalage avec notre philosophie? Oh mince, j'ai rappuyé sur le même. Pardon. C'est l'amour qui m'a fait glisser. La vérité. Ça, c'est l'étape 4 du raid Destiny. Ballet Steel, la note bleue. Vous voulez savoir la vérité sur l'amour? Personne ne sait ce qu'il fait. C'est que de l'impro. Ça fait 2 millions d'années qu'on galère. Les prophètes, les messies et les philosophes déclarent que l'amour gouverne le monde et on approuve. On dit ouais, c'est vrai. Et on tente le coup, on échoue, on se fait du mal et on retente l'expérience et on a des putains de moments de transcendance. Et puis on pense avec le mauvais organe et on foire tout. Et on recommence encore et toujours. Amen. On pense avec le mauvais organe et on foire tout. On sait de quel genre était l'auteur. Et vous savez le plus dingue dans tout ça? Vous pouvez faire de la merde comme moi, terminer en lavette avec le cerveau plein de trous, et même sur votre lit de mort, vous direz « Ouais, j'ai fait tout ça par amour, pour ma famille, mes amis, ma musique, et même ma putain d'ex-femme. C'était par amour, et j'ai tout le temps oublié que j'ai merdé comme un gros crétin. » Il était heureux, lui, dans la vie, en tout cas, je pense. Quelqu'un de très heureux. Je suis trop endommagée pour Atopie, dommage. Ouais, j'imagine les ogres. Ah oh bah. Je me doute en Suisse. Suisse. Ça m'a pensé l'autre jour. Tu sais, j'ai rejoué avec Mick, qui était un de mes coéquipiers sur Destiny 1, et les Suisses. Et à un moment, dans un moment de stress, il devait dire un mot qui était proche. Et au lieu de dire je suis. Il a dit je suis Suisse. Ça m'a fait trop rire. Genre, bah oui, ça oui. C'est drôle. Alors, quand on inverse du bleu, ça fait du rouge. Exact. Quand on inverse du vert, ça fait du... rien, ça fait du vert. Ça fait du rien. Très bien. Très bien. C'était ça. Tac, tac, paf, paf, il nous faut du rouge. Ok, il faut que le rouge arrive jusqu'au bout. On a à peu près le même principe que la dernière fois, j'ai l'impression, finalement. Qui consisterait à amener ça en faisant ça.
ça, ça. Dans ce cas, moi, je le fais en un seul truc, hein. Juste comme ça. Attends, mais là, j'en fais trop. Hop. 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 Aïe. Oh non. RT, si t'es triste. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? J'aimerais comprendre. Ah, ok, c'est bon. Ok. Non, bah on est bon, hein. Ah non, on n'est pas bon parce que... Oh! 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 Ah, ici. Je crois que je le vois. Est-ce que j'ai un intervalle, là? Ouais, j'ai un intervalle, là. Hein? J'ai un intervalle. Faudrait que cet intervalle arrive de là. Ok. Il y a un coup à jouer, mais attendez. Je pense qu'il faut faire des deux côtés, du coup. Pour pas se faire arnaque. Nous allons faire ça. Ok. Tac, tac, et... Ça. Et ça. Alors, presque... Sauf que lui va pas jusqu'au bout à cause de lui. En vrai, j'ai le temps d'y aller si je... Mais c'est pas ça la solution, mais j'ai le temps d'y aller, je crois. Ok, la solution c'est juste que lui... Il va me rester raisonnable. C'est juste que lui, il fasse un de plus. J'avais le temps, hein. On pouvait truander, hein. Toi, frère. What I'd never considered was that stripped of biological necessity. J'aime sa voix. And physical need. As well as all the strange stigmas and taboos our ancestors associated with their bodies. Love might be more pure, more powerful. That we can love with fewer distractions than they could. And so the experience is all the more overwhelming. Trop stylé ici. I do think we should learn to simulate some of those biological processes. Would be fun. Alors, attendez, j'ai déjà oublié le nom. Pas de contrôle, très bien. En vrai, c'est stylé ce qu'ils ont amené comme comme nouveau truc. J'aime. Donc, l'idée là, c'est d'interrompre au bon endroit pour que ça sorte en rouge là-haut. Et en bleu en bas. Alors, non. Je regarde juste l'autre, ok. Donc lui, il est activé. Et là-bas, je voulais pas activer lui, là, à droite. Mais... En vrai, ça marche de ouf, ça, de faire ça, juste. Attends, j'ai fait le bleu et le rouge, pourquoi ça ouvre pas? Ah, il y a ce rouge, j'avais pas vu. Vas-y, on va refaire propre. C'est quoi là-haut, du coup? Ah, il y a un bleu là-haut! Vin de Dieu! Il y a un bleu. Donc, on va mettre du bleu là, on va mettre du bleu là, et on va mettre du bleu là. Bien. Et le rouge? On va le mettre ici
ici. Ici. Non, pas le dernier que j'ai sélectionné là. Mais... C'est chier, j'en ai sélectionné un trop. Boring. Ah non, faut pas que je fasse ça. Hein. Ok, stop. Est-ce que juste ça, ça suffit? J'y crois peu. Bah, ça risque pas de suffire si c'est placé comme ça. Mais oh, mais je clique sur tout là! Pardon, mais ça m'épuise. Donc là, faut quand même plus de bleu que ça. Ok, ok. On a un problème. Parce qu'en fait, celui là-haut, là, faut quand même qu'il devienne bleu. Et pour qu'il devienne bleu, j'ai pas 36 000 solutions. Après, en vrai de vrai, Osef, que ce soit rouge ici, hein. Quelque part. Voilà. Ah, même en mettant deux bleus, ça suffit pas à le convertir l'autre là. C'est ouf quand même. Non, vas-y. C'est dur, hein, à convertir. Si je mets juste ça là, je pense pas que ça suffise. Hein. Oh, c'est encore sectionné un truc de trop. Hey, forcément. Obviously. Auquel cas, il faudrait que je prenne lui et que je le rajoute là et ça suffira pas, je crois. Parce que là, t'es plus rouge. Ok. Sauf si... on augmente les gigawatts. Non, mais attendez. Okay. Donc pour moi, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est que le bleu là, il soit bleu mais de par ici. Est-ce que c'est possible d'être bleu par là? Il arrive pas, il y a toujours le rouge qui l'empêche. Donc quoi qu'il arrive, il sera bleu de par à droite. Enfin, par à gauche d'ailleurs. Donc si on va amener du rouge... Ça m'aidera que de mettre toutes les connexions suffisent, mais je sais pas si rajouter des connexions rajoute de la puissance à la chose. On va voir. Ah bah déjà... Voilà quoi. En rajoute, c'est sûr. Maintenant, imagine, je veux juste faire comme ça, comme ça, comme ça. Ah, j'ai oublié un détail. Ça, c'était un peu drôle, du coup. Trop. Ok, c'est parce que j'ai pas assez renforcé l'autre. Et toi, là, tu vas te maintenir. Et tu vas me rajouter cette connexion et cette connexion. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Ok, c'est maintenant que cette connexion est problématique en haut. Sauf si je désélectionne celle d'en haut, je pense. J'ai tout? J'ai tout! Oui! Attendez. Il y a des gens qui cherchent la solution. Voilà. Pas eu le problème. Ok. Ça me semble tout à fait lisible. Maintenant,
Si quelqu'un m'embête sur l'étape 4 du raid, je dirais voilà. When we started living together, I thought I'd figured it all out. Everything would be smooth sailing from now on. I still had so much to learn about love. Even for us, it's messy. You find someone who seems to be the perfect match for you, who seems necessary in your life. And then you realize all the ways in which you don't fit together at all. Because nothing in this world is perfect. Moi, je vois pas ça comme ça. Capture était pas mal. Clairement. Moi, pour moi, quand t'aimes quelqu'un, c'est que t'es bien avec. C'est pas qu'il t'est utile, nécessaire. Sens biologique, si, peut-être, mais t'es bien avec avant tout. Moi, j'ai déjà dit à Jerry, t'es la seule personne dont j'ai jamais ras-le-bol. C'est vrai, hein? Ah, le dit, je l'ai pas fait. Dont je ne me lasse jamais. Voilà. Je suis bien. S'il est là, je suis bien. Te mets à l'aise. Ouais, c'est ça. Pourquoi le dit, s'il est pas validé? Parce qu'il a pas été fait, tout simplement. Point barre. Incarnation. Alors, mais si on commence à penser en termes d'utilité, de nécessité et tout, je pense que c'est partir d'un mauvais état d'esprit. C'est des risques d'être déçu, effectivement, si t'attends trop de choses. Ça doit être naturel, ça doit pas être une attente. Bref, que de réflexion. Bleu, là, ok, de là. Il faut que le bleu arrive là. Ok. Et là, le rouge, il gêne. C'est trop marrant, ça. En fait, c'est trop marrant parce que dans ce jeu, effectivement, de base, des fois, tu fais des trucs comme ça où tu bloques les rayons et tout, mais c'est pas forcément prévu toujours. Et des fois c'est prévu, mais des fois c'est pas prévu, tu le fais quand même. Et là ils ont complètement embrace le principe. Ils ont fait une mécanique. À part entière. C'est top. Par contre là c'est problématique parce que ça... Ça reste pas. Par contre là c'est problématique. C'est très problématique. Ah, je peux faire ça. Et là, c'est bien. Parce que là, j'ai plus qu'à faire ça et on est bon. Ok. Sauf que là, ça tient pas. Ah, c'est bon, c'est chargé. Ok. Sauf que moi, je peux pas sortir. Ou quoi. Mais il a plus besoin d'être chargé, donc on devrait pouvoir s'en sortir. En faisant ça. Attends. Ah, comme ça. Ok. L'aventure. The ancients believed that love could be eternal. But I'll admit that sometimes it seemed impossible to continue. Sometimes I thought you were unfair.
or cruel, or just incomprehensible. I'm sure you thought the same about me. And I'm sure that sometimes you were right. No wonder all the ancient love songs repeat the same themes. Longing, happiness, regret, and forgiveness. I want you. I love you. Oh. I miss you. Forgive me. Je ne suis qu'un écho de celui qui était moi, mais je me console en sachant que quelque chose persiste. Uriel, il vient du 1. Alors, d'empathie pour Sarvey, tu me manques. Ce n'est pas que j'ai besoin d'être avec toi chaque minute de chaque jour, mais discuter de nos expériences est devenu tellement essentiel dans la manière dont j'interagis avec le monde que ton absence est un vide énorme. Je me sens en déséquilibre et les événements semblent moins réels si je n'en discute pas avec toi. Ça peut sembler clinique et égoïste, mais j'essaie d'expliquer quelque chose que j'ai ressenti très fort le mois dernier. Nous sommes mis ensemble d'une façon qui s'apparente davantage à la multiplication qu'à l'addition. Ce n'est pas juste toi et plus moi, c'est nous. À ton retour, partons. La mort de Goethe, Thomas Carlyle. Précieuse est la nouvelle lumière de la connaissance que notre professeur conquiert pour nous. Mais petite en comparaison de la nouvelle lumière de l'amour que nous tenons également de lui. L'élément le plus important de la performance de tout homme est la vie qu'il a menée. Sous l'union intellectuelle des hommes qui fonctionne par précepte, repose une union plus sacrée d'affection qui fonctionne par exemple. Les influences de cette dernière, mystique, profonde, englobante, peuvent toutefois être moins raisonnées. Car l'amour est toujours le commencement de la connaissance, comme le feu pour la lumière, et il agit également de manière à la manière du feu. Alors, Howard, à Forster. Ça me semblait pas si difficile, inutile pour elle de l'importuner avec un don de sa part. Elle n'avait qu'à mettre en avant le salut latent dans son âme et dans celle de tout homme. Il suffit de mettre en communication. En cela tenait tout son sermon. Il suffit de mettre en communication la prose et la passion. Et toutes deux s'élèveront. On contemplera l'amour humain à sa hauteur, ne plus vivre en fragments. Il suffit de mettre en communication de sorte que la bête et le moine, dépouillés de l'isolement qui leur donne vie à l'un et à l'autre, mourront. Ce message n'était pas non plus difficile à transmettre. Ne prenait pas la forme d'une bonne discussion. Par de discrètes indications, le pont serait construit et emplirait leur vie de beauté, mais elle échoua. C'est cryptique son truc à lui, là. Hein, c'est pas clair, Howard. Hein. Bref. On en est où? 13. Ça c'est 15, c'est pas bon. Et j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans la balle. On est à 4 trucs de pouvoir voir la balle. Not bad. Je pense que je vais rediffuser par morceaux. Les 3 gros morceaux. Après je sais pas si on fera tout là, mais... Je pense qu'on pourra en faire au moins 2. 2 morceaux de DLC. Qu'est-ce que ça dit? L'amour n'est pas une émotion, c'est la vérité sous-jacente de notre existence. L'émotion est notre réaction lorsqu'on découvre cette vérité. Waouh, c'est beau ça aussi! Hop. Bah, je suis encore à 15. Problématique. 15, 14, 16. Where is the 13? Je suis coincée. 13, mais c'est lourd. Allons-y. Extension. Hein? Ça coupe. Ça devient rouge quand ça coupe. C'est fort intéressant. Ok. Là. C'est pas ouvert. Là, c'est ouvert. On peut faire ça. Ça ne fait rien. On peut faire ça. Ça aurait été fou, bah. Ça aurait pu. Hein. Ça aurait tellement pu. Ok. Est-ce qu'on a accès à autre chose? Parce que là, si j'ai pas accès au truc à l'intérieur ici, c'est problématique et je dois bien pouvoir avoir accès quand même. Ah, il y a un truc là. C'est bon. Great. Tout va bien. Donc déjà, on va se prendre du rouge. Aïe.
Bonk. En se mettant là. Hop. Ça nous permet de récupérer les éléments avec lesquels nous allons pouvoir interagir. Ce sera beaucoup mieux. Extension. Ça veut dire qu'il va nous falloir un meilleur relais. Ouais, là. Ok. Sauf que ça peut pas passer par là. Ça peut passer par là, mais c'est pas cohérent. Lui, il a plus besoin d'être là, c'est certain. On a 3 pylônes. Là, ça fait du bleu. Et ça en fait trop. Il faudrait un pylône intermédiaire. Ok, donc faut absolument pas servir du bleu là-haut, bien sûr. Ça se voit. Et en même temps, ce serait quand même assez cohérent. Mais faisons ça à la rigueur comme ça. Oh, ouais, tu t'abuses un peu. Merci. Passe pas en rouge. Ah. Quelle violence. Là il est en rouge. C'est là qu'on va pouvoir préparer ton extension. Ah non, mais non. Parce qu'il faut quand même que ça se soit posé là. But, on peut faire comme ça. Hein. Ok. Voilà. Une aventure, mais... une aventure. The worst thing I came to realize as I grew older is there are so many ways to hurt other people. Even without any malice, even when you're just trying to be yourself, you end up doing things that cause real harm. You can read every ethical philosopher in the world and you still won't be able to avoid it. Because that's just how we are. Our interactions with each other can't be fully reduced to some abstract system. Flux de données. Alors, on a relié les trucs comme ça. Open the door. Oh là. Ok. Vert. Très bien. Bon, au final, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais bon. On va bien voir. Hein. Un cran. Beaucoup. Non, ça peut pas être un cran de plus. Donc c'est lui qu'il faut décaler. Ah! Il saoule. Lui, il saoule, là. Parce qu'il fait pas assez de bleu. Sauf si... Ouais, non, lui, on peut même pas le mettre plus loin.
juste vérifier. Mais ça là, alors forcément ça n'ira pas, mais... Mais là, lui, il passe, ok. Mais bien sûr, mon problème est là, hein. Obviously. Connecte à tout, alors. Ah, ok. On peut quand même le renforcer, en fait, hein. Oh, c'est parce que j'ai réussi à le connecter à l'autre, ok. Attends, quand j'ai fait ça, j'ai réussi à... Ouah, c'était pas censé fonctionner ce qui s'est passé juste avant. Dans l'angle, là. Et là, en théorie, c'est bon, ça, non? Non, parce qu'il y a l'autre qui va se saouler. C'est censé être là. Quelle violence. À chaque fois. Je vais tenter autrement. C'est chiant, hein, ça sélectionne 4 milliards de trucs. C'est infernal. Donc là, en mettant là, le cran le plus long qu'on peut mettre, c'est ici. Ok. Ensuite. Lui, là. Hop. Forcément, c'est pas la même solution que le truc d'avant, hein. C'est pareil cohérent. On arrive vers la fin, c'est plus complexe. Bon, si je le fais dans l'autre sens, au pire. Situé ici. Non, ça a l'air d'être bon. Attendez, ça a l'air d'être bon. Ah oui, non, c'est quand je vais mettre lui. Voilà, lui, désactive lui. De quoi, ça? Ah, je sais. Oh putain. Ok. Il faut mettre un intermédiaire. Il faut le reprendre de là, le signal. Pour utiliser ce qu'on a appris. Mais juste lui, il me dérange. Mais... On va se mettre plus près. Hop. OMG! Trop bien! Tire de régène.
C'est-à-dire ? Raconte. The fact that perfection in our interactions is impossible was a hard lesson for me to learn. For the longest time, I always thought the answer was right around the corner. And to be fair, we did learn how to live together without constantly running into problems. But gradually, I realized that the friction would never stop, because what makes us unique also makes us different. There can be no endpoint to love, no final resolution. And it's because of that imperfection that it can go on forever. Abusé Sam qu'ils ont changé le dredgen, moi je l'ai fait en mode en entier. Mais bon, ok. Tant mieux. Ah c'est trop beau ça comme screen aussi. Let's go. Alors. Ouais. Bon. Donc l'idée bien sûr c'est de bloquer les entrées. Hein. Alors, le vert doit arriver au bout, donc faut que le rouge n'interrompe pas ici. Ok, qu'est-ce qui interrompt le rouge ici? Le vert, on est good. Bof, pas très utile. Ah, faut le bleu aussi. Ah, et le bleu passe pas par en haut. Donc c'est pas bon. Ah, en faisant ça, j'ai les deux là. Ah, quand même, c'est pas mal. Hein. C'est un bon démarrage, ça, je pense. Mais le bleu, en fait, faut quand même qu'il passe au milieu. Il a pas d'autre option. Au final. Puisqu'il passe pas par en haut. Parole rouge là. On va faire tout ça. Hop. Ok. Ouais, bof. Mais on sait que le bleu doit passer par en bas, en tout cas, ça c'est sûr. Comme on a fait là. Donc on est obligé de bloquer lui, ça c'est certain. Je vais juste refaire rouger. Ces deux-là là, qui permettent au bleu de passer, c'est important. Ouais. Ok, le bleu c'est good. Et c'est le rouge et le vert qu'il faut gérer derrière. Le vert, si on veut qu'il passe... Ici, faut juste bloquer ça. Ok. Et le rouge, si on veut qu'il passe là. Faut bloquer là, bien entendu. Non, pas tout ça, c'est bloqué, calme-toi. Il faut pas que le vert revienne, obviously. Pour que le vert ne revienne pas, faut pas qu'il soit là. Ah mais s'il est pas là, le vert ne vient pas. Ok, ok. Alors plus ça. Bof. Bof, bof, si on veut du rouge là, on n'a pas trop... Ah, ce serait juste ça. Ok, on a rouge et bleu, mais là on n'a plus vert. Parce que vert, il passait là. Ok, c'est bien dommage. Et ici que ça l'empêche. Parce que
Ça, j'ai une caisse qui sert à rien. Vraiment une caisse qui sert à rien. C'est lui, hein, c'est ça? Ouais, c'est lui. Et oui, ça a un sens. Oui, oui, oui. Attends, j'y manque une caisse, en fait, pour faire ce que je veux. Donnez-moi une caisse de plus, s'il vous plaît. Et ce sera parfait. Là, je perds le vert si je fais ça. On va repartir du début, on va le faire autrement, dans l'autre sens. C'est pas mal, pourtant. Il y avait de l'idée. Hop. Le bleu, on est sûr, en vrai. Est-ce que j'ai d'autres options pour le bleu? Attends, je vérifie quand même. Parce qu'il me coûte deux caisses, le bleu, c'est un peu cher. Et en même temps, le bleu n'est connecté qu'à ce laser. Donc partant de là, il a plus le choix, en fait. Juste vérifier un truc. Ah, il peut partir par là, le bleu, quand même. Ça, il faudrait que le vert... Ouais, mais le vert arrive là, donc il n'y a pas le choix. Pareil. Donc on est obligé de mettre ces deux caisses si on veut le bleu. Donc on sent deux caisses. C'est cher payé. Tac, tac, tac. Là, ça part du mauvais côté. C'est pour ça que j'avais bloqué lui. Ça permettait d'avoir lui en vert là. On va s'intéresser au rouge avant le vert. Ce sera mieux. Le vert, je dois pouvoir le bloquer plus tôt que ça. Hein. Ouais, voilà, comme ça. Là, il me reste 3 caisses pour réussir à amener le vert. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est ok. Ah, mais si je fais ça, il n'y a plus de... Ah. Et là? Sauf que là, il n'y a plus de vert. Ah. Donc mon rouge de départ, il est mauvais. Parce qu'il est déjà en mode... il prend tout le chemin. Donc c'est là qu'intervenait le passage par au-dessus, ici. Qui était quand même vachement plus intéressant. Et on permettait au rouge de partir là en bloquant ça. Non, pas ça, ça. Et en bloquant celle-ci. Et là, normalement, j'ai une caisse restante. Attendez, je crois qu'on est bon. Je vais pouvoir faire ce que je voulais faire tout à l'heure. Yeah! Pas mal du tout. Donc on a bloqué un rayon là, pour que le bleu passe. Ensuite, le vert il passe par en haut, et le rouge il passe par en bas. Hop. There's a pattern that I noticed in all the ancient poetry that I read. Young poets would praise love as the only true meaning of life. Middle-aged poets would often disagree. They would argue that love is messy, ugly, selfish, and hard to distinguish from lust. They would mock their younger selves for thinking love so incredibly important, and look for answers elsewhere, or reject answers altogether. And then, arriving at old age, they would return to the beginning, and realize it was all about love, after all. Non. Ok, bon. J'ai deux trucs.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Faut essayer de faire se croiser les rayons déjà. C'est un fait. Ok, là, faudrait que ce soit rouge déjà ici en fait. Waouh! Waouh! Le vert il vient de là, ok. Parce quoi si je fais ça? Ok, ça coupe. Ok. Donc, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Quelque part. Donc, je peux tout à fait faire ça, ça, ça. Ça suffit pas. Ok. Est-ce qu'on ferait pas tout simplement un rayon qui coupe tout d'abord? En prenant les trois sources, je sais pas d'où vient le bleu. D'où vient le bleu? Là. Ok, en le mettant là. Ah! C'est bien dommage. Inattendu. Alors, prenons le rouge. Je fais ça. Ok, ok. Oh, j'ai fait juste avant, du coup. C'est quand j'en ai connecté deux. Au même truc. Non? C'est ça. Ça me permettait d'en bloquer un. Hein. J'ai que deux éléments, laisse tomber. Laisse béton! On peut avancer. Ok. Mais en vrai, si je prends lui, que je maintiens les connexions et que je fais ça. Ça. Non. Ok. Intéressant. Donc le vert qui passe plus. Donc avec ce que j'ai fait, ce qu'on peut faire, c'est faire ici ça, ça, ça. Ici, ça, ça. Ça. Ok. Et là, il faudrait que le vert passe là-haut. Pour que le vert passe là-haut, il suffit que je le coupe avec le bleu. Ah, dommage que ça aille jusque-là, le rouge. Peut-être une idée. Ok, j'ai réussi.
Je rigole parce que je m'imagine en train d'expliquer cette solution. Mais elle est logique, hein. Mais bon. On se surrompt carré sur carré. Hop. En fait, faut juste... fallait interrompre le signal de chaque côté au bon endroit. But even love has a context. And the happiness of those who surround us can lift us up. C'est juste le coup au bon endroit. Just like their unhappiness can drag us down. As we improved New Jerusalem, things got better between us in subtle ways that affected every interaction. Our flaws never went away. But as the world around us became more forgiving, we became more capable of forgiving each other. That's why I was excited about New Alexandria. Non. Oh non, je suis tombée. Oh non. Il y avait un truc à choper. We're almost there. Just one more file. This one may be harder to extract than the others. On va faire le tour, hein, non? Pas vraiment, hein? Il y a un texte. Moi, je vais lire le texte. Peut-être juste on peut le lire d'ici. Venir de l'autre côté, en fait. Dangereuse, hein. Très dangereux. Là? Non. C'est où? Trigger. Tant pis pour le texte. Bon bah ça s'est bien passé cette première série de puzzle. Au final. C'est marrant. C'est bien amené. Je vais regarder avec mon téléphone. La technique. Hop. Tac. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est juste une série de chiffres. Et y'a quoi là? Yopi Brice. Ah bah c'est un des puzzles que j'ai fait. Ah bah c'est celui qu'on vient de faire, non? Non, c'est un autre. Ok. Bon, en tout cas, on a fini cette première série. Bien passé, hein. On a mis 2 heures. Tranquille. Y'a pas eu vraiment de difficultés. Ça allait. Attends, parce qu'il y a ça, mais il y a ça là-bas. Hein. Ah, ça on peut pas pour l'instant. Quelle énergie, n'est-ce pas? Je dis pas que ça rend un peu de... LOL. Seriously? Wow. Ah ouais. Pourquoi y avoir 1 milliard d'interactions possibles? Pour aller vers là. Non, c'est pas ça que je veux faire. Mais... ah non, faut vraiment que je les coupe. Wow.
Ok. C'est censé faire un truc rouge tout là. Ok, ok, c'est bon, j'ai. Ok. Et là, du vert. Bah, j'espère qu'il faut pas du bleu à un endroit parce que j'ai pas. Hein. Forcément du bleu à un endroit, oui, voilà. Y'a pas de troisième... Y'a pas de troisième pylône embêtant. Ah, ça a l'air pas mal ça comme point. Ceci étant... Non. Le bleu, il irait où? C'est mieux de ce truc-là, le bleu? Il n'y a vraiment que deux, ça. Bah, comme quoi, je vous dis qu'on n'a pas bloqué, mais là, là, ça va être plus complexe. Hein. Je vais laisser ce puzzle sans souci, là, mais... 25 de bûche, des mots de fou. C'est vrai? On a ce panel, qui peut être activé, bien entendu. Ce panel. Et ce panel. Ok. Et après, en termes d'interaction possible, on a le truc au milieu, ici. Le truc au milieu, ici. Et c'est tout. Ça paraît pas possible. De comprendre. Au moins que l'idée soit de faire l'inverse et de couper les rouges et les verts, de refaire le truc de l'interruption. Mais ça ne semble pas apporter grand chose. Je sais aussi un truc. Attends. Là, hop. Où est-ce qu'il est? Là. Non, j'ai déjà. Si. Bien. C'est juste pour vérifier. Ok. C'est que je peux en connecter que deux. Hein. Mais le truc qu'on voit aussi, c'est que je sais allumer les verts, je sais allumer les rouges, je sais pas allumer les bleus. C'est quand même bizarre aussi. Je remets quand même ça pour voir. Mais... Il se moque de moi lui.
Il me l'a reposé. J'ai pété un câble. Je vais péter les plombs. Je vais péter les plombs. Et tant qu'on n'a pas les trois bleus allumés, on n'a pas. Il y a peut-être un relais quelque part que je vois pas. Ça fait tourner la tête, hein, d'avoir la tête en l'air comme ça. Alors, est-ce qu'il faudrait au contraire... Ouais, je pense savoir, ok. Faire en sorte... que ça bloque la connexion vers lui, par exemple. Donc faire ça. Et là... Ah, il n'y a pas là. Dommage, ça m'a arrangé. Mais un truc dans ce bout-là. Et vous voyez, ça passe en rouge. Du coup, c'est pas forcément mieux, mais... Un truc dans ce goût-là. Donc, c'est que le vert, faut pas le connecter aussi proche, finalement. Tout simplement. Mais moi, en faisant ça, il y a du vert partout. Absolument partout, donc c'est pas ouf. Faut finir par le rouge, c'est sûr. Mais là, typiquement, le rouge ferait limite qu'il bloque l'arrivée. En faisant ça, je crois qu'il bloque. Ouais, ça marche. Ça marche, mon idée. Ok. Il faut faire la même chose pour le rouge de l'autre côté. Ok. Donc, le vert, bien sûr, va se finir ici. Il n'y a pas de problème. C'est bizarre dit comme ça, mais... Ok. Mais oh! Insupportable! Le vert se termine ici. But. Il faut que le rouge n'empêche pas le bleu d'exister ici. Pour que le rouge n'empêche pas le bleu d'exister, il faut bloquer toutes ces entrées. Ici, 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 et ici. C'est bon? Non? J'ai tout? Pourquoi il me valide pas? Oui, j'ai réussi! Let's go! Trop bien! On est en haut! Let's go! Il y a encore d'autres trucs ici? C'est beau, n'est-ce pas? La grosse boule. Hop. Yop, ombre. Boule magique. Voilà, elle fait tomber. Bon, bah, c'est gagné. Zone validée. When I saw the explosion coming, I knew it was the end. My end. The power plant was gone. The backup center was collapsing. The street was cracking open. And the fireball was about to engulf me. In that millisecond, I shut down every process except my mind. I turned off my audiovisual input. I rerouted all of my power, pushed my processor to the breaking point. Time slowed down. I didn't think about regret. I didn't think about death. I spent every last moment I could scrape together thinking about you. You did it.
Come to the extraction point and I'll pull you out. This is odd. We have Sarabhai's complete memory archive, but there's still some file fragments left in the system. Well, you can look for them if you want to, 1K. I know you're always curious, but what matters is that we've got Sarabhai. Oh! Il vient de laisser le fichier 0 sur 3. Avec les ordi. C'est un jeu de nuit, du coup. Nombre de nuit. Et oui, il est très beau. On peut aller là, par exemple. Ah non. Ah! Je suis contente d'avoir réussi le cœur. Est-ce que du coup ce serait pas par rapport au fichier dans l'ordi? I hope so. Voyons voir. Non. Death, be not proud. Though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. For those whom thou thinkest thou dost overthrow die not, poor death. Nor yet canst thou kill me. From rest and sleep, which but thy pictures be, much pleasure. Then from thee much more must flow, and soonest our best men with thee do go, rest of their bones and souls' delivery. Thou art slave to fate, chance, kings, and desperate men, and dost with poison, war, and sickness dwell. And poppy or charms can make us sleep as well and better than thy stroke. Why swell'st thou then? One short sleep past, we wake eternally, and death shall be no more. Death, thou shalt die. Oui, on va donner. Là, c'est la, c'est le DLC, donc forcément, t'es loin du début. Mais oui, oui. Ah, on a le générique, du coup. Lol. Je vais faire la suite, du coup. Mais les 3, le 0 sur 3 des fragments, machin truc, j'ai peur que, du coup... oui, il fallait probablement chercher un truc dans le monde. Bon, après, je les refais facilement, les puzzles, au pire, mais... Je vais laisser dérouler parce que il se peut qu'il y ait un truc à la fin. Il y avait eu ça la première fois. Il y a 3 sections dans le DLC. Ça, c'était la première. J'étais mieux tout en regardant un truc. J'aurais le temps de mourir, voilà. J'aurais le temps. Mais c'était bien, c'est sale. Oh, ça fait 12 heures que je suis en live. Oh, new. Dites donc. Je pensais que j'allais avoir du mal après les 10 heures de Destiny, mais en vrai, ça va. En vrai. Finalement. C'est que le jeu est bon, tout à fait.
Il y a encore deux sections, Isaac. Ça, c'était la première partie. Du coup, ça va sur 24 heures. Non. Raison à faire. Tu sais que je me rends compte que demain, le raid qu'on fait, je crois qu'on n'est que deux à le connaître, à l'avoir fait en entier, et deux qui connaissent ce qui passe. Donc faut que je sois en forme. Néanmoins, faut que je sois en forme. Il n'y a plus de musique, ils auraient pu laisser la musique quand même. Terrible. Allez, parfait. Du coup, là. C'est embêtant parce que ça... Ah, c'est dommage. Non, j'ai frôlé le truc en prenant le portail, je savais pas en fait, je pensais que ça allait me ramener ailleurs. Ça a l'air trop bien, lui, j'ai trop hâte. On va faire ça juste après la pause. Let's go. Tant pis pour les trois morceaux supplémentaires. Parce que bon, je vais pas refaire toutes les énigmes juste pour avoir accès aux trois morceaux. Mais c'est dommage. On saura pour les prochains. On saura. Ah, quand je le tape, ça... Ah, voilà. En tout cas, ce sera la fin de cette rediff pour l'ascension d'Orphée. Et putain, normalement, on va faire Île Bénie. Je pense pas qu'on aura le temps de faire Dans l'Abîme aujourd'hui. On va se le garder.